je suis trop contente de vous trouver sur cette nouvelle et toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Anaïs, c'est la première fois que je fais une apparition sur cette chaîne et peut-être pas la dernière fois, on verra bien. Ma passion dans la vie c'est évidemment le maquillage, la confiance en soi, la mise en valeur de soi et du coup je viens sur cette chaîne dans le but de vous montrer mes conseils en termes de maquillage pour que vous puissiez amplifier votre beauté. On est en hiver, il neige, il fait froid, tout est terne, notre teint est très blanc. Pour rappeler un petit peu les couleurs du printemps, pour redonner de la vie à votre visage, je vais vous proposer aujourd'hui mon premier tuto make-up. Pour commencer, on va bien évidemment mettre quelque chose dans nos cheveux pour les tenir un petit peu, histoire qu'ils ne viennent pas se coller dans notre maquillage pendant notre création. Donc on vient l'attacher sur le sommet du crâne en ramenant bien les cheveux vers l'arrière, et puis on va tourner ça. Voilà. Armez-vous évidemment de tous vos produits, comme ça vous pourrez suivre un petit peu mon pas à pas et devenir la meilleure version de vous-même. On commence bien entendu par hydrater sa peau, c'est très important pour que l'âge n'ait aucune prise sur vous. Moi je m'occupe toujours de mon teint en premier parce que c'est vraiment là que je vais poser la base de mon maquillage. Je vais donc commencer par le fond de teint. Pour cette vidéo, j'ai choisi de partir sur un fond de teint plus foncé que ma carnation naturelle afin de ramener un petit peu de couleur sur mon visage qui souffre cruellement de l'hiver. On le sait, cette année comme l'année dernière, les vacances sont fortement compromises. Le bronzage ne sera donc pas nécessairement de mise cette année. Pourquoi ne pas simplement se faire un bronzage à la maison ? On va donc prendre un petit peu de fond de teint qu'on va venir poser sur notre visage avec délicatesse et souplesse. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche puisque l'objectif c'est vraiment de cacher toutes les imperfections. On ne lésine pas sur les moyens pour dissimuler tout ça. On va vraiment dans la direction d'un ravalement de façade intégrale. Je vais ensuite venir étaler mon fond de teint avec ce petit blender. On fait bien attention à ne pas voir de démarcation puisque là vous voyez qu'effectivement je me suis vraiment auto-bronzé le visage. J'arrive gentiment au bout de mon exercice. Maintenant on va bien effacer les démarcations en tirant le fond de teint vers le cou afin de bien avoir le bronzage qui descend jusqu'en haut du cou. Libre à vous de porter un col roulé par exemple pour dissimuler un petit peu le cou et ne pas avoir besoin de le maquiller puisque vous voyez qu'on voit quand même un petit peu la différence de couleur. On est aventurier ou on ne l'est pas, libre à vous de porter un col roulé si vous souhaitez dissimuler un petit peu tout ça. Une fois que nous avons terminé cette cruciale étape du fond de teint, là vous voyez que vraiment j'ai très bonne mine, j'ai l'air particulièrement bronzée et en forme, ça va d'ailleurs très bien avec ma couleur de cheveux, j'ai l'impression de pouvoir aller sur une plage de Miami en maillot de bain. On va donc continuer le teint avec un correcteur, donc vraiment quelque chose qu'on va utiliser notamment pour dissimuler les cernes qui sont quand même assez conséquentes, hein, parce que c'est vrai que mettre au boulot dodo, hein, c'est pas évident. Donc on va étaler une quantité généreuse sous chaque œil, l'objectif étant vraiment d'aider à camoufler les cernes qu'il resterait sous le fond de teint. Donc là on voit vraiment que j'ai eu la main très généreuse, c'est l'objectif. On peut également s'en mettre sur l'arête du nez afin d'éclaircir un petit peu cette partie et de ramener un petit peu de texture dans ce visage, ce qui me semble vraiment très judicieux. Donc ensuite on va venir tamponner pour essayer de fondre le correcteur avec les yeux mais également avec le fond de teint pour vraiment unifier le teint. Donc voilà, c'est quelque chose de très important, quelle que soit la quantité de fond de teint qu'on va mettre, il faut dissimuler. On va partir maintenant sur un très léger contouring, donc on n'a pas besoin de grand chose, hein. Vous voyez que mon visage est très texturé, mais on va rajouter un petit peu de vie dans ce visage, simplement en prenant avec le doigt, parce que ça dépose plus de la couleur foncée, qu'on va venir ajouter sur les côtés de notre nez, afin de vraiment donner une dimension supplémentaire à notre nez. Vous devinez bien les lignes, hein, on voit vraiment que mon nez est beaucoup plus onguleux que par le passé, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. On n'oublie pas évidemment d'estomper, évidemment, on n'oublie pas d'estomper, donc on vient sur le côté du nez et on estompe avec un petit pinceau. Par la suite, je vais reprendre un petit peu de cette couleur et je vais m'en placer sous les pommettes, simplement pour rehausser mes pommettes et me donner encore un petit peu plus de vie. On ne va pas trop haut, bien entendu, puisque tout en haut, il y aura le highlighter. Alors on est généreux et on estompe, on estompe, on estompe. Encore une fois, on unifie le teint. Parce que ravalement de façade ne rime pas forcément avec faute de goût. Ici, on veut vraiment se valoriser et faire quelque chose qui soit esthétique. Donc dans les règles de base du contouring, évidemment on fait tous les angles pour vraiment pouvoir ajouter des zones d'ombre là en bas et rendre le visage un petit peu plus anguleux. Donc on ne lésine pas sur les moyens, encore une fois, on n'oublie pas de faire tous les angles de notre visage pour vraiment donner un peu plus de caractère à notre faciès. Je vais maintenant m'attaquer à mes yeux. Attention, pour les yeux, ça va être tout un travail de couleur.
on a envie, encore une fois, d'un maquillage qui soit printanier, qui soit coloré, qui soit gai, sucré, gourmand. Donc on va vraiment partir sur une gamme de couleurs qui nous permettent de nous envoler en vacances sans avoir besoin d'y aller, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas. Donc je vais vraiment partir sur un extérieur d'œil qui tire vers le bleu et un intérieur d'œil qui part vers le jaune. On se munit bien évidemment d'un pinceau, on prend la couleur et on vient la déposer sur la partie externe de notre paupière. On va en faire de même de l'autre côté. Et vous allez ensuite prendre sur votre doigt, pour avoir plus de dépôt de couleur, la seconde couleur que vous souhaitez mettre, qui sera donc la couleur la plus claire, qui va élargir votre regard et vous donner vraiment des yeux de biche. Donc on vient déposer le jaune vers l'intérieur de l'œil. On en fait de même de l'autre côté. On va venir donc estomper les contours de ce maquillage pour vraiment le fondre dans notre œil. C'est vraiment très discret, ça reste très gai, ça reste très léger. Maintenant que notre œuvre d'art de paupières est plus ou moins achevée, on va passer au liner. Évidemment, qu'est-ce qu'un maquillage sans liner? Mais rien du tout. Donc on prend le liner et on commence par mettre une petite couche de noir sur le bas de la paupière. Donc vraiment qui épouse la paupière et qui va simplement vous donner un regard beaucoup plus ténébreux. Voilà, là on a quelque chose qui est très cohérent, on voit que l'autre œil a l'air très très fatigué alors que celui-ci est très éveillé. Ça fait un espèce de petit effet de vitamine sur notre paupière, donc on va faire le second œil. Je suis très satisfaite du résultat, je vais maintenant me faire un petit œil de chat avec une pointe de liner qui part en direction de la pointe externe de mon sourcil afin d'ouvrir mon regard et de me donner vraiment un petit coup de peps et d'élégance. Donc on va venir dessiner notre trait externe en partant en direction du sourcil et en venant ensuite tracer notre trait de liner. Voilà, on a quelque chose qui est achevé. On va ensuite continuer à créer ce regard de biche que l'on veut toutes en ajoutant une bonne dose de mascara. Vraiment pour relever notre regard, le rendre beaucoup plus ténébreux, y ajouter une petite pointe de sensualité. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on a un maquillage qui est très coloré qu'on doit se priver du côté élégant d'un maquillage classique. Non, on peut vraiment marier les deux. On s'arme donc d'un mascara et on vient épouser ses cils à l'aide de la brosse du mascara. On n'oublie pas notre objectif de base qui est d'aider les gens à se noyer dans notre regard. D'ailleurs, vous constaterez que comme je n'ai pas la chance d'avoir les yeux bleus, j'ai fait l'acquisition d'un fard à paupières bleu pour rappeler l'eau de la mer dans lequel potentiellement les matelots auront envie de s'échouer. Je viens donc recouvrir généreusement mon cil supérieur de mascara. Évidemment, pour le bas de l'œil, on va choisir une couleur qui se marie parfaitement bien avec ma paupière, c'est-à-dire du bleu. Toujours dans la même optique de rappeler l'esprit de la mer, des vacances, du chaud, de tout ce qu'on n'aura pas cette année. On va prendre un crayon et on vient s'en mettre dans le coin interne de l'œil. Ça ajoute vraiment un genre de concordance dans ce maquillage, un espèce d'ensemble où les couleurs communiquent les unes avec les autres. Vous trouvez toujours que vous avez mauvaise mine? Ne vous inquiétez pas et mettez simplement une petite dose de blush. Je le dépose au pinceau et vous venez simplement le déposer en toute petite quantité sur votre pommette supérieure afin d'illuminer votre visage et de lui donner un côté rosé qui va vous faire ressembler à une poupée. Donc là, vous voyez vraiment que ça a changé complètement mon visage. On part maintenant sur du highlighter, évidemment, parce qu'un maquillage sans highlighter n'est tout simplement pas un maquillage. On va venir s'en déposer sur le bout du nez, sur le haut des pommettes, ainsi que dans le coin externe du haut de nos paupières, donc vraiment sous le sourcil. Déjà là, on voit que ça ajoute vraiment beaucoup de vie à mon visage. Je vais étaler généreusement mon highlighter pour donner un côté naturel et très fondu. Je crois que j'arrive gentiment au résultat escompté. Toutes les parties que je souhaite valoriser de mon visage qui sont mises en avant, il y a vraiment une forme d'esthétisme. Moi, je vous le dis, le maquillage, à mes yeux, c'est une forme d'art créatif. On a vraiment des palettes de couleurs, on a à disposition une toile vierge que l'on peut remplir de 1000 couleurs, on peut s'en donner à cœur joie et il y a vraiment une forme d'art profond dans le maquillage. D'ailleurs, vous en avez la preuve devant vous, j'ai vraiment créé quelque chose qui n'existait pas à la base. On le sait, l'une des règles du maquillage, c'est on ne met pas en valeur ses yeux et sa bouche, on fait un choix stratégique. J'ai choisi de valoriser mes yeux, bien entendu. Je vais donc partir sur une couleur assez standard pour la bouche, quelque chose qui reste quand même relativement discret. Du rouge, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre sur ses lèvres. Donc, je vais placer mon rouge à lèvres.
Voilà, du coup là on a vraiment quelque chose qui est cohérent. On peut se permettre de rajouter par-dessus un petit peu de brillant à lèvres, ça c'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous aimez. Moi j'apprécie vraiment le brillant à lèvres parce que je trouve que ça repulpe ma lèvre supérieure, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise fréquemment, en particulier quand c'est un rouge à lèvres qui est assez discret comme du rouge. On n'oublie pas évidemment la touche finale, le petit spray pour vraiment fondre le maquillage dans notre peau et ne pas le perdre en cours de journée. Ce serait quand même dommage qu'il pleuve un petit peu ou qu'il y ait un gros coup de vent coule de notre visage, ça pourrait faire un effet pas très joli. Donc on y va généreusement et on se spraye le visage afin de... Je reviens. Voilà, désolée, je crois que je m'en suis mis un petit peu dans les yeux et dans le nez. Donc voilà, mon maquillage est terminé, maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est vraiment la mise en beauté de mes cheveux. Donc je peux enlever cette petite chose là, en faisant bien attention à ce que le maquillage soit sec, n'est-ce pas, parce que sinon ça va coller dans les cheveux, ce qui serait vraiment dommage. Et là on est vraiment sur le final, donc vraiment sur la finalité de notre mise en beauté, qui devrait normalement tenir vraiment toute la journée sans aucun souci. J'ai vraiment un conseil élémentaire à vous donner, n'oubliez pas de vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Un soir, j'ai oublié de me démaquiller, j'ai dormi à plat ventre et quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu l'intégralité de mon visage imprimé dans l'oreiller à côté du mien. Je vous assure que j'ai eu la peur de ma vie, j'ai réellement cru que quelqu'un s'était invité dans mon lit et dormait près de moi. En réalité non, ce n'était que moi. D'ailleurs, outre le fait qu'il y avait cette personne invisible à côté de moi dans le lit, je dois avouer que j'ai eu très très peur en voyant mon reflet dans le miroir dans lequel j'ai cru voir un panda. Donc prenez soin de votre visage, maquillez-vous, mettez de la couleur dans ce visage, de la vie, montrez à quel point vous êtes créative et féminine, mais n'oubliez pas de vous démaquiller le soir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser. Je me réjouis d'avoir vos retours et si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de me revoir sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'aurai énormément de plaisir à revenir vous parler d'un autre sujet. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fin de week-end, j'espère que vous vous éclatez et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ciao ciao !